Bien, bonjour, merci d'être venu m'écouter. Je voudrais également remercier les organisateurs de ces journées du livre russe et les éditions des CIRT qui m'ont fait l'honneur de m'inviter ici pour vous parler du roman de Piotr Nikolaevich Krasnov, De l'aigle impérial au drapeau rouge. Ce roman, comme vous venez de l'entendre, ne date pas d'aujourd'hui. Il est paru d'abord à Berlin en 1921. Et il a, à l'époque, déjà rencontré un immense succès, d'abord dans les milieux de la toute récente émigration russe, mais aussi parmi les populations autochtones des pays dans lesquels se sont retrouvés les familles de l'armée blanche et aussi tous les acolytes, une partie d'intelligentsia, comme vous le savez. Ce roman, comme l'indique très clairement le titre, retrace les événements de l'histoire russe de 1894, année de l'accession au trône de Nicolas II, jusqu'à la fin de la guerre civile, en passant par la guerre russo-japonaise, la révolution de 1905, la Grande Guerre, les révolutions de février et d'octobre, enfin la guerre civile. Mon propos sera de montrer que nous tenons ici un témoignage extraordinaire par son authenticité, un roman qui nous tient en haleine de la première à la dernière page, écrit dans les meilleures traditions, digne d'un Alexandre Dumas. Un roman aussi, également, où Piotr Krasnov se révèle un véritable auteur et un maître de la langue. Enfin, je m'arrêterai aussi sur la dimension spirituelle de ce texte qui en fait l'ossature et la dimension la plus importante. Mais avant d'évoquer ces divers axes de lecture, je voudrais vous raconter ma propre rencontre avec ce roman qui m'a été offert pour mes 18 ans par mon grand-père quand j'étais en Hippocagne au lycée Fénelon. Mon grand-père est issu d'une famille militaire. Son père et ses deux frères, encore tout jeunes à l'époque, étaient dans les rangs de l'armée blanche, et ils sont partis de Crimée avec l'armée de Wrangel, se retrouver d'abord à Chataldja et ensuite en Serbie, et de Serbie finalement en France, où je suis née, deux générations plus tard. J'ai aussitôt dévoré ce roman qui retraçait l'histoire aussi de ma famille, en quelque sorte. Il m'a profondément marqué, et plus de 20 ans plus tard, lorsque j'ai dû le relire pour travailler dessus, je me suis aperçue que je me souvenais exactement de toutes les scènes, de toute l'intrigue, quasiment des phrases entières. Je me suis dit, c'est extraordinaire. En 20 ans, 25 ans, j'ai lu beaucoup d'autres livres, mais aucun ne m'a laissé un souvenir aussi vif, une entaille presque. Un autre livre que j'avais traduit juste avant, aussi m'a... Ce sont les deux livres qui m'ont le plus bouleversée dans ma vie, ce sont les deux livres que j'ai traduits. C'est une chance inouïe qui m'a été offerte par les éditions des CIRT. À l'occasion des 100 ans de la Révolution, les CIRT m'ont confié le travail délicat et difficile de reprendre une traduction déjà existante. Je viens de dire qu'il a été, il a connu un immense succès et il a été traduit en français. Nous l'avons su à la dernière minute, en fait, quand on commençait déjà à travailler dessus. Mais c'était une édition très abrégée et il a fallu reprendre le texte original, ce texte de traduction dont on m'a demandé de m'appuyer dessus pour aller plus vite. Mais c'est j'ai repris toutes les phrases, j'ai complété les chapitres entiers, ou ajouté même des chapitres entiers. Malheureusement, on n'a pas encore le texte intégral qui comporte beaucoup de digressions sur des sujets politiques, des réflexions qui sont très intéressantes, mais à l'heure actuelle,
le pari est difficile de publier un roman de 2000 pages. Donc, nous avons d'un commun accord préféré quand même rester dans un volume un peu plus restreint. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt, le grand intérêt de ce roman, de ce livre, et c'est un témoignage vivant. Un témoignage précieux dans la mesure où Piotr Krasnov fut non seulement le témoin direct de ces événements, des événements qu'il relate et qui ont ébranlé la Russie, mais également un de ses acteurs. Il était correspondant militaire lors de la guerre russo-japonaise. Il s'est illustré en tant que grand officier, grand stratège et grand connaisseur de l'art militaire durant la Première Guerre mondiale. Enfin, il fut l'un des principaux acteurs de la guerre civile, puisqu'il a été élu ataman des Cosaques du Don en 1917. Krasnov a écrit ce roman à chaud. Vous avez entendu madame qui a dit qu'il a été publié en 21-22 à Berlin, et il a commencé à l'écrire alors que la guerre civile n'était même pas encore achevée. Donc c'est vraiment... Sur le vif, à chaud, il évoque dans la préface à la deuxième édition du roman les conditions dans lesquelles il a commencé à l'écrire. En fait, donc, il a échappé de justesse à l'exécution, à la peine de mort, et il se retrouvait dans la Stanitsa Konstantinovska où il devait se cacher. Il y avait des fouilles, des perquisitions. Il pouvait être mis à mort d'une minute à l'autre. Et c'est là qu'il a décidé, pour fuir, peut-être pour échapper, pour ne pas penser au futur, il a ressenti le besoin d'écrire là, tout de suite, de réécrire cette histoire qu'il a vécue. Et c'est sans doute ce qui lui a permis Donc il s'est réfugié vraiment dans l'écriture de ce roman. Donc ainsi la trame qui sert de toile de fond à l'intrigue, donc l'histoire des guerres et des révolutions, est très très bien documentée et offre au lecteur un luxe de détails inouïs qui le rendent extrêmement vivant. Il est intéressant à cet égard de comparer les mémoires d'autres témoins. D'autres témoins de ces événements avec les pages qui leur sont consacrées dans le roman. J'ai choisi pour l'illustrer le récit de l'assassinat de Rasputin qui correspond très exactement au récit que nous en a laissé le prince Yusupov. Et donc je vous propose de lire quelques paragraphes. Donc comme vous le savez peut-être, les comploteurs ont décidé d'attirer Rasputin en lui disant que voilà, il y aurait une très belle dame que Rasputin voulait absolument rencontrer, et ils ont fait toute une mise en scène en mettant du poison dans des gâteaux, dans le vin, etc. Finalement, le poison ne prenait pas, et donc vous allez entendre la suite. Ils ont cru un moment qu'il ne viendrait pas, qu'il se doutait de quelque chose. On ne peut pas nier qu'il possède un certain don d'intuition. Enfin, il est arrivé, l'air soupçonneux. Il a été reçu par le plus jeune des conjurés qui l'a conduit au sous-sol, aménagé pour la circonstance. Il est entré, a jeté un regard de défiance sur les meubles et l'installation et a demandé « Et où est-elle ? » Elle est en haut avec les invités. Vous comprenez qu'elle ne peut pas venir tout de suite ici, ce serait trop remarqué. Il a secoué la tête, mais a consenti à attendre. On avait placé du vin et des pâtisseries sur la table. Le vin était empoisonné. Il a refusé net de boire et de manger. Ces pâtisseries étaient pourtant celles qu'il préférait. « Je ne veux rien », a-t-il dit d'un ton capricieux. « Qu'elles viennent, nous boirons ensemble. » « Pourquoi tout est-il si calme ? Il y a du monde. On danse et je n'entends pas la musique.
on croirait qu'il n'y a personne. Et il s'est levé, encore plus méfiant qu'il ne l'était en arrivant. Rasputin s'est assis devant une petite table placée dans un coin de la pièce. Le sous-sol, qu'on avait décoré comme un salon en y disposant des fauteuils, des chaises et des canapés, était à demi éclairé par des petites lampes. Les voûtes rendaient l'atmosphère encore plus lugubre. Le plus jeune des conjurés m'a dit que ce spectacle lui avait inspiré une véritable terreur. Quelque chose faisait penser au drame du Moyen-Âge. Rasputin, dans son costume si caractéristique, avec sa lévite noire de dessous laquelle sortait la chemise brodée par l'impératrice, restait toujours appuyé des deux coudes sur la table. Il ne touchait ni au flacon de vin et de liqueur, ni aux fruits. La situation était poignante. Les yeux de Rasputin luisaient comme des charbons ardents. Il était secoué d'un frisson voluptueux. Le temps passait et la conversation languissait. Rasputin sentait le danger et, s'adressant au plus jeune, il dit: « Si tu allais la chercher, mon cher, pourquoi tarde-t-elle à venir? Dis-lui qu'un ami, un bon ami, l'attend. » Et la suite que vous connaissez, où ils ont finalement dû l'achever à coup de revolver. On retrouve le même souci de fidélité à la réalité dans la façon dont le narrateur rapporte le massacre de la famille impériale, par exemple. Et en général, dans toutes les évocations des grands événements qui ont marqué cette époque. Évidemment, c'est surtout sur la guerre civile, et on peut s'étonner qu'il remonte en fait au début, à l'accession au trône de Nicolas II. En réalité, il raconte justement ce lent, tous les rouages, tout ce qui a précédé et ce qui a conduit à la catastrophe de la guerre fratricide, où les frères ont levé les armes les uns contre les autres. Donc il prend en compte toute cette période du règne de Nicolas II à son abdication et au début de la guerre civile. Comme je l'ai dit en introduction, c'est aussi un très grand roman, et pas uniquement un témoignage et un document très fouillé, très précis. Nous sommes d'ailleurs en droit de nous demander pourquoi Krasnov a choisi d'écrire un roman. Il aurait pu simplement écrire ses mémoires, puisqu'il avait été témoin, acteur de tous ces événements. Il répond lui-même à la question, puisqu'il dit, toujours dans cette fameuse préface, que le roman lui donnait beaucoup plus de liberté de manœuvre, puisqu'il pouvait mettre en scène des personnages de fiction, et tout en racontant les événements historiques de façon précise, intégrer, raconter aussi, évoquer le monde intérieur, les impressions de ces personnages fictifs, mais qui évidemment représentent des véritables personnes qui ont vécu ces événements tragiques. Donc il accorde une grande importance au mouvement de l'âme de ces personnages. Le fait de mêler personnages réels, historiques et personnages de fiction permet au lecteur de revivre véritablement, bien mieux qu'avec des mémoires ou avec un traité, toute la tragédie de la Russie qui s'est produite au début du XXe siècle. Donc j'en viens maintenant à l'intrigue et au récit lui-même, qui s'articule autour du personnage central, qui s'appelle Alexandre Sablin, du mot « sable », qui veut dire le sabre, donc qui est cornette, puis général déjà durant la Première Guerre mondiale, et qui restera général, qui est aussi un des grands généraux durant la guerre civile. L'intrigue est menée dans un rythme très soutenu, très enlevé. L'action n'est jamais répétitive. Le lecteur, accompagnant Sabine, change tout le temps de lieu. On passe d'un champ de bataille, d'une grandiose revue militaire, d'une somptueuse fête de cour. On voyage dans les trains où on assiste aux conversations entre les officiers, entre les généraux, entre les personnes qui ont accueilli à bras ouverts la révolution, ceux qui ont été déçus, ceux qui ont continué à y croire.
Les échanges épistolaires permettent également d'intégrer dans le tissu de récit des événements concomitants, donc qui se sont passés au même moment. Donc le narrateur, enfin, l'auteur, l'écrivain, recourt à tous ces procédés du roman traditionnel, du roman d'aventure, pour mener son récit qui nous fait... Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on ne perd jamais le fil. Vous avez sans doute lu beaucoup de romans russes où on est obligé un petit peu de revenir en arrière, se souvenir du patronyme, etc., etc. Ici, il n'y a rien de tout ça. On est emporté, emmené, et tout est le récit est très clair. On n'a pas besoin de relire quelques paragraphes précédents pour comprendre l'intrigue. Donc pour revenir à la technique justement de la lettre, de la correspondance épistolaire qui permet de faire avancer le récit, je voudrais vous lire encore un petit extrait. Donc la fille, je ne raconterai pas toute l'intrigue pour ne pas vous gâcher la lecture de ce roman passionnant, mais Sabine a une fille qui réussit à se faire embaucher comme blanchisseuse de la famille impériale, qui est déjà en captivité à Yekaterinbourg, dans la fameuse maison Ipatiev. Et c'est elle qui écrit une lettre à son père, dans laquelle elle raconte le quotidien de la famille impériale, avant de rapporter, la façon dont ils ont été tués. Donc je vais vous lire un petit extrait. Vous allez vous rendre compte de la façon dont il fait vivre justement ces personnages, ces grands personnages de l'histoire de la Russie. Le seul réconfort de la famille impériale était de chanter des chants religieux, en particulier l'hymne des chérubins. Un jour, j'étais assise dans le jardin en attendant qu'on me remette le baluchon de linge. C'était une douce soirée de juin. Tout était silencieux alentour. Les gardiens étaient déjà couchés. Le commissaire était parti quelque part. Les petites feuilles rondes des bouleaux étaient suspendues, immobiles, aux branches, et des papillons blancs virevoltaient au-dessus de l'herbe foulée. Une fenêtre s'ouvrit à l'étage. La grande duchesse Tatiana Nikolaevna s'en approcha. « Non, il n'y a personne, » dit-elle à quelqu'un. « Nous pouvons laisser la fenêtre ouverte. Maman, commencez. » Une minute de silence s'écoula. Mon cœur éclatait d'angoisse pour eux. Et soudain, au-dessus de moi, s'élevèrent 5 voix de femmes. Au début, un « nous » délicat et aérien s'étira longuement, s'élevant toujours plus haut, les voix se séparant puis se rejoignant, s'élançant vers le ciel, atteignant Dieu. Puis, « Qui, dans ce mystère, représentons les chérubins ?» chantait la souveraine et les grandes duchesses. Le cantique s'élevait vers le ciel et atteignait ses profondeurs. Toute mon âme pleurait en moi et je ne pouvais plus rester assise. Je me levais et m'approchais de la fenêtre. Une sentinelle était postée à la porte. C'était un ouvrier. Il regardait de ses yeux gris le ciel et s'était tout entier abandonné au charme du cantique. Quelque chose de lointain avait remué en lui. Le cantique s'élevait et s'amplifiait, et il semblait que c'était des anges, des esprits incorporels qui le chantaient, et que le cantique invitait le peuple entier à retrouver la raison. Je vis des larmes dans les yeux de la sentinelle. Je me dis que les Russes ne pourraient pas tuer le souverain. Invisiblement escorté par les armées des anges, s'éteignait le chant à la fenêtre. Je pleurais à chaudes larmes. La sentinelle proférait un juron et s'éloigna. C'était comme si, soudain, il avait eu honte de ses sentiments. Et ensuite, donc, elle passe à la scène terrible que je ne vais pas lire pour ne pas pleurer, de la scène de l'extermination de la famille impériale. Donc nous voyons que Krasnov recourt avec talent et brio à toutes les techniques, tous les procédés littéraires du roman d'aventure. Donc nous avons vu que l'auteur se révélait ici, dans ce roman, être un historien soucieux de vérité, mais également un romancier talentueux. Je voudrais m'arrêter ici sur son style, sa plume, et lui rendre en quelque sorte justice. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien que Krasnov, comme je l'ai dit, ait rencontré un immense succès, il n'a jamais reçu le soutien
et la reconnaissance véritable de ses confrères écrivains dans les milieux de l'immigration russe. Je pense à Bounine, à Kouprine et tant d'autres. Il le considérait comme un dilettante, un amateur. Il était avant tout général. Comment aurait-il pu bien écrire ? Personne d'entre eux ne s'attendait, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il écrive quelque chose de valable. Mais tous, finalement, sont revenus là-dessus. Quand on lit un petit peu les recensions, les critiques de ses confrères, finalement, on retrouve toujours la même chose. Par exemple, Bounine écrivait « Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi doué, qu'il sache autant de choses et qu'il soit si intéressant. » Donc le lecteur découvre en fait un grand prosateur. Les descriptions fort nombreuses de la nature sont très très belles, comme celle-ci. Le printemps s'annonçait beau et chaud. Les alouettes étaient arrivées et les champs vides s'animèrent de leurs chants joyeux. La forêt se vêtit de feuillage et devint obscure. Le soir, un crépuscule lilas s'étendait au-dessus des bois qui prenait un aspect de maquis impénétrable. La glace sur la rivière devenait friable et en divers endroits, l'eau passait par-dessus. La traversée sur la glace n'était plus sans danger. Les quelques passerelles qui facilitaient le trajet risquaient à tout moment d'être entraînées par la débâcle. Un court extrait pour ne pas vous fatiguer. Le lecteur pourra aussi également... Ah oui, il brosse aussi des portraits très réussis, comme par exemple celui du général Kornilov, qui commanda l'armée blanche jusqu'à sa mort en avril 1918. C'est un très très court extrait, mais qui illustre, je trouve, très bien la façon... dont ces portraits s'intègrent dans le récit. La porte s'ouvrit toute grande. Un homme de taille moyenne, solidement bâti, entra d'un pas résolu et nerveux. Il portait très droit sa tête brune. De dessous, ses sourcils fins regardaient des petits yeux brillants et obliques, dont l'expression avait quelque chose d'incisif, d'inquisiteur. Il avait de la noblesse dans l'allure et quelque chose d'entraînant dans toute sa personne. Il tendit la main à Sabline et lui dit immédiatement « Êtes-vous avec nous, général, ou contre nous ?»« Je suis du côté de ceux qui veulent le bien et le bonheur de la Russie, » dit Sabline avec fermeté. « Je suis avec ceux qui sauvent l'armée et son honneur. Je suis avec vous, Excellence. » Le lecteur pourra également savourer les dialogues dans lesquels Krasnov reproduit admirablement bien toutes les caractéristiques langagières des personnages en fonction de leur appartenance sociale. Et j'en viens maintenant au plus important que j'avais annoncé dans mon introduction, la dimension spirituelle de cette œuvre. Cette dimension spirituelle, elle apparaît évidemment dans le titre, qui n'est pas un simple raccourci, qui n'est pas une simple formule accrocheuse. Et donc je vous invite à réfléchir, à comprendre ce qu'évoque ce titre de l'aigle impérial, qui est dans l'original, c'est de l'aigle bicéphale au drapeau rouge. Donc l'aigle bicéphale, l'aigle impérial, symbolise un empire chrétien orthodoxe, vous savez, qui vend Troie en épousant Sophie Paléologue en 1472, adopte les armes des empereurs byzantins. Et c'est une manière d'affirmer, à l'époque, que Moscou devient la troisième Rome. Les tsars russes ont adopté ce symbole pour se définir comme successeur de l'État byzantin. Le drapeau rouge, quant à lui, évidemment, symbolise la lutte révolutionnaire. Mais sous la plume de Krasnov, le drapeau rouge aussi est intimement lié à l'image du sang. Et au fil des pages, on voit très bien le passage progressif d'une Russie, de l'armée, et derrière elle, de toute la société, sous le drapeau de l'Empire, vers une société qui
donc vers le drapeau rouge. Ces symboles sont omniprésents. Alors au début, on a beaucoup, durant toutes les revues militaires, les parades, etc., le symbole impérial est omniprésent, il domine, puis apparaît ça et là, de façon assez subrepticement, le drapeau rouge. Puis la couleur rouge commence à prendre le dessus, elle envahit petit à petit, progressivement, le récit pour l'emporter définitivement à la fin. Et j'invite le lecteur à repérer cette évolution, à voir justement ce jeu de force dans ces symboles de l'aigle bicéphale et de la couleur rouge. Et qui symbolise en quelque sorte cette tragédie qu'a vécue la Russie. Mais un épisode placé à la fin du roman est particulièrement intéressant à cet égard et très révélateur des convictions intimes de l'auteur. En effet, à la fin du roman, un des officiers rouges, se repent, retourne sa veste et se confie à un blanc. Il lui rapporte le miracle de l'icône de Saint-Nicolas qui était sur la tour Nicolas du Kremlin. Donc c'est le récit que fait cet officier rouge à l'officier blanc. Vous savez comment ça tout bas à Sotrov. Lénine a donné l'ordre de démolir l'oratoire dédié à l'icône de la Mère de Dieu Iverskaya et de recouvrir d'un tissu rouge l'icône de Saint-Nicolas qui se trouve au-dessus des portes du Kremlin. C'était la première fois que le pouvoir soviétique fêtait le 1er mai. Nous avons tout exécuté selon les ordres. La veille au soir, nous avons tendu un tissu pour cacher le visage du saint et nous sommes partis. Le matin, j'y suis retournée avec un groupe de gardes rouges. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Une foule était attroupée près des portes du Kremlin et j'entendais chanter de toutes parts « Saint-Nicolas, prie Dieu pour nous ». J'étais hors de moi. « Ah, me suis-je dit, c'est encore un mauvais coup d'épope. Ils ont encore inventé quelque chose pour troubler la population. » Je me suis approchée. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Le visage du saint était découvert et tout autour de l'icône, le tissu rouge était déchiré en lambeaux. « Ah, et je pensais, quel est le gredin qui a fait ça ?» Nous sommes allés chercher de nouveau une échelle, nous avons mis un autre tissu et nous avons dispersé la foule. J'ai entendu quelqu'un dire « N'ayez crainte, camarades, les anges vont quand même retirer votre maudit tissu ». Je suis restée. Je me suis mise à parler avec des personnes dans la foule sans regarder l'icône. Je me disais que rien ne pouvait arriver. Et soudain j'ai entendu « Regardez, le voilà notre protecteur ». Et la foule a recommencé à chanter « Ô très saint Père Nicolas ». J'ai jeté un coup d'œil. Le tissu était de nouveau en lambeaux et la face du saint regardait la foule. Nous avons apporté les faits à Lénine. Il nous a moriginés. Le tissu s'est déchiré par frottement contre la chasse sous l'action du vent. Retirez complètement l'icône, qu'elle aille au diable. Mais personne n'a exécuté l'ordre de Lénine. Personne n'a retiré l'icône. J'ai lu dans un... Je ne sais plus où, qu'en fait, les personnes qui avaient été chargées de retirer cette icône, mais qui est incrustée dans le mur, en fait, au lieu de la retirer, l'ont recouverte de plâtre. Et grâce à ça, elle a été conservée et maintenant, elle est toujours en place. Donc cet épisode nous permet de voir que malgré la tragédie, malgré l'horreur de la guerre civile, il y avait pour Piotr Krasnov une lueur d'espoir. Et je comprends cet épisode que je viens de vous lire comme un signe avant-coureur qui annonce la résurrection à venir de la Russie grâce à la prière et grâce à Dieu. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas voulu à dessein vous livrer toute l'intrigue qui gâcherait la lecture. J'espère que ces quelques éléments de lecture vous auront donné envie de lire ce roman et vous donner aussi, je vous ai donné quelques pistes de lecture pour rendre la lecture encore plus intéressante. Et je me réjouis de ce que 100 ans après ces événements tragiques qui ont secoué la Russie, cet ouvrage revoit le jour sous une nouvelle forme,
et que j'y ai contribué, voilà. Et donc, grâce à mon grand-père, il y a une espèce de transmission de génération en génération, et qu'on puisse maintenant aussi regarder vers l'avenir. Merci, et si vous avez des questions... Alors, effectivement, j'ai commencé par traduire « Les vaincus », un ouvrage que j'ai découvert par hasard. J'ai déménagé en Russie il y a 12 ans. Et pour le jour de mon arrivée, ma meilleure amie m'a offert ce livre en russe. Elle m'a dit « Tu verras, c'est extraordinaire ». Et effectivement, c'est un roman extraordinaire. Donc, c'est un roman qui a été écrit par la petite fille du compositeur Rimsky-Korsakov. Et qui retrace, donc c'est une grande saga familiale, et qui commence à la fin de la guerre civile jusqu'aux grandes purges staliniennes. Donc en fait, par un heureux hasard, ensuite j'ai travaillé sur le livre de Krasnov, qui est le premier acte qui explique un petit peu la suite. Alors, ils ne se ressemblent pas du tout dans l'écriture, mais effectivement, ils sont plus axés sur... Les deux sont quand même plus axés sur l'histoire de... Enfin, donc, Les Vaincus racontent la vie dans la nouvelle Russie soviétique d'une famille de la noblesse. Donc chronologiquement, la saga des vaincus est le prolongement effectivement du roman de Krasnov, mais il se focalise plus sur la famille, sur cette famille de la noblesse, alors que chez Krasnov, finalement, le personnage principal, j'ai dit que c'était Sabline. Mais en réalité, le personnage est en fait un collectif, c'est l'armée russe. C'est ce que Nikolai Krasnov connaissait, c'était sa vie, l'armée. Voilà. Je crois que l'auteur Krasnov, il a pas bien fini. Je ne sais pas si vous voulez en parler un peu ou pas. J'aurais préféré l'éviter. Mais... il a toujours été, oui, effectivement, donc il faut le savoir, je ne le cache pas, il a, lors de la Seconde Guerre mondiale, il avait vécu en France quelque temps, et il avait une femme allemande, et il habitait à Berlin. Et effectivement, il a constitué des corps de Cosaques, qui ont fait la guerre aux côtés de la Wehrmacht, et il a ensuite été livré par les Anglais aux Soviétiques en 45, et il a été pendu en 47 à Moscou en Union soviétique. Donc effectivement, on peut lui reprocher sa germanophilie, mais c'était plus... Je pense que c'était surtout par anti-bolchevisme. Ce choix était le fait d'un anti-bolchevisme, on va dire, primaire, effectivement. On ne l'ira pas. Voilà, effectivement. Alors, heureusement qu'il n'a pas attendu cette époque pour écrire son livre. Donc, on est très content qu'il ait écrit tout de suite à chaud, avant la suite des événements. En 21, donc ensuite il a vécu en France où il a principalement écrit. Il a écrit une quarantaine d'ouvrages, principalement des romans.
des romans d'histoire sur Pierre le Grand, sur l'émigration aussi. Et à ce titre, il y a un roman très intéressant que je n'arrive pas à trouver, qui s'appelle Loche, le mensonge, et il imagine que des agents ont infiltré les milieux de l'émigration et comment ils enlèvent un général. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec Coutier, fait avec Miller. Donc, une espèce de un visionnaire, on va dire. Et bon, donc au début, donc justement quand le roman est sorti, il a réussi à vivre bon, de façon assez précaire, mais ça allait. Et à un moment donné, ils ont dû aller sans doute dans la famille allemande de sa femme. Et c'est pour ça qu'en 36, me semble-t-il, il est parti en Allemagne. Donc dans le milieu de l'émigration en France, moi, c'était une grande figure, une figure de proue de l'émigration. Mais il ne s'est pas engagé, il n'était pas si engagé que ça dans les milieux militaires, moins que d'autres en tout cas. Et ces livres étaient toujours écrits en russe, bien sûr, mais oui. Ils ont été traduits à l'époque en allemand ou en français ? Oui, oui. Beaucoup de traductions. Celui-là a été traduit en 12 langues. Il avait un succès incroyable. Donc là, vous faites une nouvelle traduction, mais ça a déjà été traduit. Donc ça a été traduit. On était pris par le temps. Et j'ai retravaillé absolument chaque phrase et j'ai surtout ajouté énormément de chapitres. Par exemple, tout le récit de l'assassinat de la famille impériale est complètement absent. Des chapitres entiers que j'ai réintégrés dans le corps du récit. Voilà. Quand vous l'avez lu jeune, vous l'avez lu en français ? Non, je l'avais lu en russe. Donc, version complète ? Non, la version, oui, complète. Il me manquait des pages, parce que c'était une édition, une vieille édition toute... Je me souviens, et j'étais obligée d'arrêter la lecture, parce qu'il manquait des pages, et donc il fallait trouver parmi les amis quelqu'un qui est... Si vous voyez dans quel état est cette édition, elle est recouverte de papier journal, vous savez, comme on... Je ne sais même pas où. Mais je pense que c'est l'édition de Berlin que j'ai. Et là, quand j'ai travaillé dessus, j'ai racheté encore une... Justement, pour avoir toutes les pages là, qui me manquaient. En Russie, il a été réédité plusieurs fois, donc dans les années 90, et là, dernièrement. Bien évidemment, à cause de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, Krasnov est un peu un sujet tabou. Donc, il a du succès, mais on peut trouver des gens qui apprécient ses œuvres plus sur les blogs ou des choses comme ça que dans des revues littéraires. Voilà. Je peux encore vous reparler des vaincus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Dans les vaincus, c'est ce qui est intéressant, c'est que Irina Golovkina, c'est de la fiction, mais tous les faits sont des faits réels. Donc en fait, c'est une mosaïque. Elle a recomposé complètement l'atmosphère, les personnages. Donc un personnage correspond finalement à plusieurs personnages qu'elle a côtoyés. De ses proches. Donc c'est de la pure fiction et en même temps c'est de la pure réalité. Ça, c'est vraiment très intéressant et c'est aussi ce qui rend le roman très vivant. On peut pas s'en détacher, on se relève la nuit pour continuer, on est complètement happé par l'intrigue et aussi, mais aussi par tous les événements des années 20 et des années 30 en Union soviétique. Mais je vais vous poser une question parce qu'on a un peu de technique. Mais
quand il raconte tout ce qui se passe dans la famille Rissard, il a appris ça comment? Parce qu'il n'était pas présent à ce moment-là. Donc, Si, il était présent, parce qu'il était même assez proche de la famille impériale, donc il le raconte de l'intérieur. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, il est quand même très, très critique. C'est pas juste un tableau que, voilà, la Russie impériale, c'était fantastique. Non, il est très honnête, et il explique très bien la lente désagrégation de l'armée, la faute aussi de l'aristocratie qui n'a pas soutenu le pouvoir en place. Il met en scène aussi les faiblesses de Nicolas II. Donc tout ça, vraiment, tout y est. Ce n'est pas juste... Bon, effectivement, il est du côté blanc, ça, c'est sûr. Mais il a un regard très honnête et très critique des événements qui ont secoué la Russie. Mais quand il parle de Yekaterinbourg, là, il n'était pas présent. Là, il n'était pas présent. Alors, je ne sais pas comment il a su aussi rapidement et dans le détail comment ça s'est passé. Mais j'ai aussi travaillé sur les témoignages des gens qui ont assassiné la famille impériale. Vous savez qu'il y a eu des enquêtes, etc. Mon monde qui est là, il s'y connaît encore mieux que moi. Et c'est incroyable à quel point, justement, ce qu'il raconte dans le livre est proche de la vérité. Mais quels sont ces témoins? Parce que moi, je suis à Ekaterinbourg. Apparemment, la situation n'est pas nette. On dit qu'apparemment, il n'y a que le tsar qui était tué parce que Lénine aurait donné sa parole, comme quoi l'impératrice était allemande, qui ne toucherait pas à elle ni aux enfants. Elle a réussi à s'échapper. Alors, autour de l'assassinat de la famille impériale, il y a malheureusement. Et Alexis, soi-disant, il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques années, il avait vécu très vieux. Il y a énormément de mythes qui sont créés, d'inventions de. Qui se crée malheureusement avec l'histoire russe, c'est tout le temps comme ça. Soudain, Ivan le Terrible. Vous parliez d'une lingère qui aurait vu l'assassinat. Non, ça c'est inventé, la lingère. Ça il l'a inventé. Les témoins qui ont vu l'assassinat du tsar, qu'est-ce que c'est que le témoin? Ben celui que. Comment il est Mika Pamagi. Ça a dit beaucoup de choses sur cette histoire. Ben, vous savez que quand il y a eu l'enterrement officiel à l'église Saint-Pierre et Paul. Le métropolite, je ne sais plus si c'était Alexis Kirill, avait dit que tout ça, c'était une belle mascarade. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Officiellement, toute la famille y est passée, mais apparemment, il n'y a que le tsar qui serait passé, apparemment, qui aurait été fusillé. Non, moi, je pense qu'ils ont tous été fusillés. Alexis, soi-disant, aurait vécu très vieux, et Alexis qui est sorti là-dessus. Bah oui, mais c'est pas parce qu'il y a un bouquin qui est sorti que c'est la vérité. On raconte beaucoup, mais c'est comme sur l'assassinat de Rasputin, différentes versions. Les restes osseux qui ont été analysés par Pitovirus et d'autres généticiens sont absolument indiscutables. Absolument formels. Donc, à Ekaterinbourg, la personne personnellement, je considère que les résultats de la biologie, les résultats de Pitovirus, sont indéniables et couvrent tout le reste. Vous pouvez reparler des revolvers, des je sais pas tout ce qui est dit, il y aura des problèmes. Non, l'Église russe a été. Ils sont en train de revenir sur cet avis. Ils sont en train de revenir là-dessus. Je crois que l'analyse n'avait pas été complète au moment de l'enterrement. Yeltsin a un petit peu accéléré les choses puisqu'il voulait se blanchir. Et donc, on a enterré ce qu'on a trouvé, mais toutes les analyses n'avaient pas été terminées au moment où s'est passé cet enterrement. C'est la raison pour laquelle le patriarche Alexis II n'a pas donné une bénédiction formelle là-dessus. Il a émis des doutes. Voilà.
Alors, normalement, je devrais traduire justement ces des nouveaux documents sur l'assassinat de la famille impériale. Oui. Donc, au CIRT, regardez. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Il faut me parler fort parce que je suis un petit peu sourde. L'Institut de la définition humaine à Paris, tout le monde dit que les résultats de Peter Thiel sont absolument indéniables. Il n'y a absolument aucune discussion là-dessus. C'est-à-dire que les ossements, les fragments, les échantillons qui ont été confiés à Peter Thiel sont absolument indéniables. Il y a des points communs avec le principe de l'amour. Oui. Et d'autres recoupements encore, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça recouvre tout ce qui a été dit, redit, contesté par ailleurs. C'est absolument indéniable. Et même votre tout le reste, ce qui va mal. Vous pensez que le fait que les ossements étaient disons. D'où je suis arrière-petite-fille d'un officier de l'armée blanche. Il faudra organiser une table ronde sur les. Quel est le lectorat russe actuel? Attends, j'ai une autre question et après je reviens vers vous. Mon intérêt, je suis descendante, je suis aussi une descendante d'un officier de l'armée blanche. J'ai été élevée effectivement dans l'esprit, dans l'amour de la Russie et dans l'espoir d'un retour en Russie. Ma famille est toujours en France, mais moi je suis rentrée en Russie il y a une dizaine d'années avec mon mari et mes enfants. J'adore la littérature russe, je l'ai toujours beaucoup aimée. Normalement, je suis linguiste en fait de formation, je suis spécialiste en vieux russe et en slavon. Mais finalement, la traduction me permet de mieux que l'enseignement, me permet d'allier. L'éducation des enfants et le travail intellectuel. Voilà, et j'aime beaucoup ça. Et cette période, donc, c'est la tradition familiale en fait, Non, cette période, en fait, c'est venu par hasard, parce que moi, j'ai lu le roman Des Vaincus, j'en ai parlé à l'éditeur, je pensais même pas encore devenir traductrice, et l'éditeur m'a dit, mais... Xenia, seul toi peux le traduire. À l'époque, j'écrivais ma thèse, donc c'était impensable, surtout avec 4 tout petits enfants. Mais une semaine après ma soutenance, on m'appelle, on me dit, bon, plus d'excuses, vous vous y mettez. Donc je m'y suis mise. Et en fait, Krasnov, c'est aussi venu un petit peu par hasard. J'en avais parlé avec les CIRT. Ça a mis du temps à se mettre en place. Et là, avec le centenaire de la Révolution, ça s'est fait. Voilà. Et le russe, vous l'aviez appris dès l'enfance? Alors, à la maison, on était obligés de parler russe. On n'avait pas le droit de parler français. Donc moi, je suis allée à l'école française. J'ai fait mes études. J'habitais à Troyes. J'ai fait ensuite mes études à Paris, à la Sorbonne, principalement. Et donc on a toujours été dans la famille, et je continue à parler français avec mes parents, moi je parle russe avec mes enfants, et qui parlent maintenant mieux russe que français, puisqu'ils sont à l'école russe, donc on essaie de leur donner des petits cours de français pour... ils le parlent bien, mais ils l'écrivent, ils font beaucoup de fautes. Et ils parlent anglais aussi, puisque mon mari est d'origine russe, mais est anglaise, donc ils sont trilingues. La différence entre le russe contemporain et le vieux russe.
La différence la grande différence grammaticale, c'est que le vieux russe, en vieux russe, il y avait exactement toute la palette des temps du passé qui existe en français et en grec et dans toutes les langues indo-européennes. Donc vous aviez l'aoriste qui correspond au passé simple, l'imparfait, le plus que parfait. Donc vous avez toute cette batterie, alors que le russe moderne a qu'un temps du passé, un temps unique. Ça, c'est la grande différence. Cette désagrégation du système verbal s'est faite progressivement, parfois un petit peu par à-coup. Des formes ont d'abord disparu, ensuite tous les paradigmes. Donc on parle de russe moderne justement depuis le moment où il y a cette perte du système verbal du passé. Alors les déclinaisons ont aussi un petit peu évolué, mais beaucoup moins. On n'a perdu qu'un cas, on n'a perdu que le vocatif, et on ne l'a même pas vraiment totalement perdu, puisqu'il revient, il renaît sous une nouvelle forme. Je ne sais pas s'il y a des russisans parmi vous, mais quand on appelle quelqu'un, moi je m'appelle Xenia, normalement si on utilise le nominatif on dit Xenia, mais à l'heure actuelle on appelle Xenia. On réduit la dernière syllabe, et en fait c'est une résurgence du vocatif. Et le tout est dans par rapport aux structures de grec vraiment. Comment? Ah oui, c'est, mais de toute façon c'est le. Oui. Le point est daté, le début du russe moderne. Que ce soit progressif. Si. C'est 18e. Début 18e. Le 17e est un siècle important où s'est accélérée la désagrégation du système verbal, où s'est simplifié quand même aussi le système de la déclinaison, et où il y a eu une très forte influence européenne des langues de la France, principalement. Et à l'époque de Pierre le Grand, c'est vraiment une rupture dans la littérature, parce qu'il existait une littérature très abondante, de la vraie littérature, des romans, etc., des romans d'aventure, de la poésie. Et en fait, à l'époque de Pierre le Grand, subitement, on arrête d'écrire des récits. On ne fait plus que traduire des essais de géométrie, des traités militaires. Donc dans ce temps qui finalement est assez court, on a totalement cessé d'utiliser l'équivalent du passé simple. Parce que donc, pendant 30 ans... La grammaire de Lomonos, ça correspond à cette époque. C'est après. Donc lui, déjà, après les Lomonos, etc., ils ont couché sur papier... les règles, mais qui sont en fait ils ont mis sur papier les règles existantes et le système ils ont décrit en fait un état de langue. Voilà.